shine and fly. But then break the thunder, and the heavens cry. Our door is under. Her heart said goodbye. C'est pour ça que vous êtes venus, c'est pour ça que j'ai créé ces camps là. Donc continuez les gars. Et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus ça sera facile de le faire parce que vous allez prendre l'habitude. Quand je vois Gilles Drius qui a déjà fait plusieurs camps, je vois tout de suite qu'il a plus d'intensité sur ses dribbles. C'est parce qu'il a pris l'habitude. Et quand vous allez revenir dans vos clubs, vous allez avoir plus d'intensité que les autres. Ne vous mettez pas à leur niveau. Gardez votre intensité que vous avez appris ici. C'est ce qui fera que vous allez vous démarquer des autres. C'est les autres après qui vont vous suivre. Bonjour, je m'appelle Anthony Giraud. Je viens d'Aix-en-Provence, je joue dans le club de Rognac et ça fait depuis 9 ans que je fais du basket. Je m'appelle Nayel, j'ai 9 ans, je joue à Belleux. Je m'appelle Léonard, je viens de Lille, je joue à Wastal et je vais jouer en U15 France. Je m'appelle Logan Lopez, je joue dans le club de basket de Nanteuil-les-Maux. Conat Trisselé, moi je viens de Bruxelles, j'ai 16 ans, ça fait 3 ans que je fais du basket, j'essaye de faire mon métier et c'est ma passion. Bonjour, je m'appelle Annie Raourawa, j'habite en Algérie et je suis dans le club de Stawali. Je m'appelle Ethan, j'ai 13 ans, je joue du basket à Versailles. Moi je m'appelle Oscar, je viens de Lille, je joue en U20 Elite à Neuville-en-Ferrin. Dimitri, j'ai 13 ans et je fais du basket depuis 3 ans. J'habite à Marly-le-Roi, c'est dans les Yvelines. Je m'appelle Léo, j'ai 13 ans et demi, je viens du nord de la France, près de Lille. Et je suis au club de Denain en U15 région. Et je vais faire ma deuxième année en mini. Bonjour, je m'appelle Gadrus, j'ai 17 ans, j'habite au Luxembourg et c'est mon troisième camp de David Bonnel. Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 10 ans, je viens à la Guadeloupe, j'entraîne à la MJC aux Abîmes. Je m'appelle Simon, j'ai 14 ans, je joue en U15 région à Olivet, près d'Orléans. Je m'appelle David Petit, j'ai 17 ans, je vais jouer à Aix, les Golgothes. Et le basket est ma passion. Kevin, je viens de la région parisienne, plus précisément d'Herblay. J'ai 16 ans, je joue à Sergi. Bonjour, je m'appelle Arthur Mandariken, je joue au ESLBC Lorg Angeles Basket, un club qui se situe dans le sud. Je joue au poste 1, 2 ou 3. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 13 ans et demi. J'habite à Clamart en 92 dans les Hauts-de-Seine. J'ai joué dans différents clubs. En ce moment, je suis à Chézy-Villaroue. Alors moi, c'est Hugo Minot, joueur de basket club Octeville dans le 76. Je suis un joueur arrière-ailier. J'ai 19 ans, j'habite au Havre. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'habite à Orléans et je fais du basket dans un quartier d'Orléans qui s'appelle Abile et j'ai 21 ans. Bonjour, je m'appelle Jules Flan, j'ai 16 ans. Et je viens de l'Aïle-les-Roses. Et je joue au club de Massy. Thibaut, j'ai 15 ans. Je joue à la chorale de Rouen. J'ai commencé le basket à 3 ans. Je m'appelle Fares, j'ai 11 ans. Je viens d'Algérie pour faire ce stage. Je m'appelle Alexandre, j'habite à Bordeaux. J'ai 16 ans. Je joue au basket depuis que j'ai 8 ans, dans le club qui s'appelle Mérignac. Moi je m'appelle Anthony, j'ai 33 ans et j'arrive de Nantes. Je voulais un peu tester en fait, et mettre un petit peu en danger, donc c'est pour ça que j'ai voulu venir. J'en ai entendu parler parce que coach David Bonnel, je le connais depuis maintenant une bonne année. Je l'ai connu sur YouTube. Ensuite sur Instagram. Il y a un ami à mon père, son fils a déjà fait ce camp, il m'a dit que c'était excellent. J'ai voulu essayer, alors je me suis lancé. J'étais en recherche d'un stage et j'ai vu quelques de ses vidéos sur YouTube et ça m'a vraiment plu, ça avait l'air vraiment professionnel et pas juste un stage lambda comme ça. Et j'ai vu son site après et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée pour progresser encore plus et gagner en maturité dans mon jeu. David Bonnel, le coach, déjà, je trouve qu'il est très bien. Il aide les joueurs sur les réseaux sociaux. Et donc, je trouve ça très intéressant de faire un stage avec lui. Ça permet de découvrir un peu, puisque j'ai pas l'habitude de ces stages-là. D'habitude, je les fais plus dans le sud. C'est la première fois que je fais un stage à Paris. Ma mère m'a parlé de David Bonnel et du coup, j'ai foncé, quoi. On m'a dit que c'était plutôt pas mal. Déjà, j'ai vu quelques vidéos de lui. C'est très pratique et on s'améliore bien. C'est concentré sur notre jeu personnel et je trouve ça cool, ça nous permet d'être plus forts individuellement. Là, j'ai vu les camps David Bonnel, ça m'intéressait et du coup, envie d'essayer, même si c'était loin à Paris. Et
L'envie de venir, l'envie de progresser. Il y a un ami à moi qui travaille avec le coach David Bonnel et c'est grâce à lui en partie que je suis venu ici. J'avais déjà vu ses vidéos, il avait déjà fait plusieurs camps et ça avait l'air bien, ça avait l'air technique, physique et en même temps concret, c'est des vraies choses qu'on peut utiliser et qu'on peut répéter seul ou avec d'autres gens. Donc ouais, c'est un camp que je voulais faire. J'ai choisi ce camp pour progresser dans mon foot. Je trouvais que ma gestuelle n'était pas assez correcte. Et vu que la dernière fois, j'avais fait un camp, je trouvais que ça s'était amélioré dans mes appuis. Et bah, j'ai voulu recommencer un autre camp pour voir où étaient encore les problèmes dans mon shoot. J'ai un ami qui travaille avec David. On a discuté, il m'a dit que je devrais essayer le stage. Donc, me voici. Mon père est cherché un stage pour me faire progresser et pour mieux jouer. Et du coup, il a trouvé ce stage. Une fois, regardé une de ses vidéos. Et après, par curiosité, j'étais allé jeter un coup d'œil à son site internet. Et ça m'avait plu. Je l'avais follow sur des réseaux sociaux. Du coup, je pouvais suivre ce qu'il faisait. Vu qu'il fallait que je trouve un camp pour être prêt dès la nouvelle saison là, qui arrive, je me suis dit que ça pourrait être bien. C'est mon père qui m'a inscrit, il m'a dit que ça serait bien. Je connaissais quelqu'un qui avait déjà fait ce camp. Je suis venu au camp de David Bonnel parce que je suis tombé par hasard sur une de ses vidéos sur YouTube et j'ai trouvé que c'était un bon coach. J'ai entendu parler du coach David Bonnel sur Instagram par rapport à d'autres youtubeurs qui ont déjà fait ces camps. Donc j'avais vraiment envie de faire ces camps pour m'améliorer. J'ai envie de le faire parce que j'avais comme projet d'essayer d'aller jouer au Canada ou aux États-Unis. J'ai appris qu'il avait une académie là-bas, il prenait beaucoup de joueurs à ces camps. Il demandait aux joueurs de venir à ces camps pour voir son niveau. Autant essayer, j'ai rien à perdre. C'est pour ça que je me retrouve ici. Mon père regardait des annonces de stage et en regardant avec lui, je suis tombé sur le camp de David Bonnel. Du coup, j'ai envie de le faire. Je suis venu au stage de David Bonnel parce que je voulais m'améliorer, devenir meilleur. Et surtout devenir le meilleur. Allez, go, go, go. Oui. Oui. Ça se passe super bien, avec 6 heures de basket dans la journée, super intensité, super coach. Même en 11 ans de basket, j'ai fait des choses que j'ai jamais apprises. Je me suis beaucoup amélioré sur mon tir, donc ça se passe très bien. Ça fait bientôt 2 jours que le camp a commencé et ça se passe très bien. C'est un peu dur, mais ça se passe très bien. Bah, c'est très bien, c'est très physique, c'est très cool. On s'entend bien, c'est vraiment bien. J'ai fait celui de Liévin, Saint-Quentin aussi, à Lille. J'en ai fait pas mal et voilà, j'en ai fait 2-3 autres encore. Ce camp-là, c'est plus pour nous améliorer nous-mêmes, pas tout un groupe en fait. C'est plus sur nous et sur notre jeu à nous, c'est sur nos besoins pour nous. Ça se passe très bien pour le moment et j'en suis satisfait. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'intensité qui est différente par rapport aux autres stages et qui nous pousse vraiment à aller au bout, enfin, jusqu'à nos limites. Il n'y a pas de match, donc c'est concentré que sur le travail individuel. Il n'y a pas trop de collectif, donc c'est l'aspect technique, notamment sur le tir. Et aussi, on va se concentrer sur l'aspect physique aussi, on va beaucoup courir, c'est assez physique. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien ce camp. La première fois, j'avais besoin en fait de m'aérer l'esprit. Je prenais pas du tout de plaisir à jouer au basket dans mon club. Du coup, je suis partie pour faire un camp et je suis tombée sur ça et ça me semblait bien. Et j'ai pris du plaisir et j'ai direct voulu recommencer. Déjà, l'intensité, c'est vraiment différent. J'ai beaucoup appris à travers ces 3 camps, surtout au niveau de la technique. Ça m'a permis de passer un cap. En match, je joue beaucoup mieux et c'est pour ça que j'ai envie de refaire encore plus. Tu penses que tu as progressé d'un stage sur l'autre, d'un stage sur l'autre ? Sur 100%. Ça se passe plutôt bien, on travaille beaucoup. L'an dernier, j'avais fait un autre camp comme ça, en pension complète. Mais j'ai l'impression qu'il m'avait moins plu que celui-là. Et enfin là, vraiment, j'aime bien. Parce qu'on travaille beaucoup. Ça se passe super bien. Il y a une bonne entente dans toutes les personnes et tout. Les coachs sont super sympas. Il y a du bon niveau aussi. Pour l'instant, j'ai déjà pas mal progressé parce qu'au niveau du shoot, quand même ressenti un changement avec les exercices qui m'ont fait faire. Ça se passe bien. C'est assez physique, mais on s'en sort bien. Mon stage se passe bien, dans la bonne ambiance. Enfin, il y a une bonne ambiance. Tout se passe bien, c'est intense. Donc tout ce que je voulais, tout ce que je suis venu chercher. C'est beaucoup plus familial, il y a une bonne entente, il y a toutes sortes d'âges, il y a des grands, il y a des petits, c'est très amusant. C'est exactement comme il m'a dit, excellent, on avance bien. Les exercices, c'est un autre monde, j'essaie de progresser. Il y a une bonne entente et les coachs, c'est des bons coachs. Content parce que j'ai réussi à travailler mon shoot, le contrôle des balles aussi. Vu que c'est des choses importantes, il faut le travailler. Je me sens bien.
David Bonnel, il est beaucoup dans les détails. Par exemple, dans le tir, par exemple, dans un autre camp, il m'aurait dit d'orienter les pieds vers le panier, alors que David Bonnel, il m'a dit de mettre les pieds sur le côté. Je trouve qu'il me fait mieux évoluer que d'autres camps. On sent bien. Physique, mais ça va. Le matin, c'est physique, mais on tient. C'est que le deuxième jour, mais on tient. Ici, on a plus de technique, il y a plus de physique, plus de tir, on améliore le shoot. Plutôt pas mal. Très bien, tout le monde est cool. Les coachs, ils sont super, il y a une bonne ambiance et ça taffe bien. C'est le deuxième jour et je suis content de ma progression. Le premier jour a été très intensif. Je suis content de comment ça se passe et j'espère encore plus progresser. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the